Les rues de Hong Kong encore noires de monde ce dimanche pour un rassemblement annoncé comme le plus important depuis des mois. Un rassemblement qui intervient à la veille de l'anniversaire des 6 mois de mobilisation. Des dizaines de milliers de militants pro-démocratie se sont réunis. Ils entendent laisser une dernière chance aux autorités de répondre à leurs revendications. Hong Kong traverse depuis le mois de juin sa crise la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Des manifestations sont organisées presque chaque jour pour réclamer des réformes démocratiques ou demander une enquête sur le comportement de la police. La police qui a saisi plusieurs armes à feu quelques heures avant le coup d'envoi de la manifestation et arrêté 11 personnes. Selon nos conclusions, le but était d'utiliser les manifestations d'aujourd'hui comme prétexte pour utiliser des armes à feu pour créer des troubles. Cela inclut attaquer nos policiers ou créer une situation dans laquelle des innocents seraient blessés. Des violences sont encore redoutées ce dimanche. De violents affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre lors de précédents rassemblements, plongeant la mégalopole habituellement ordonnée dans la récession et le chaos.